Ouais, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais. Non, alors là, mesdames et messieurs, ça ne va pas du tout. Il y a 2 jours, un mineur de 17 ans s'est fait tirer dans la tête à bout portant par les forces de l'ordre françaises. Eh oui, la police française a tiré sur un mineur qui était au volant dans la tête à bout portant. Et là, on entend tous les médias nous expliquer le passé de la victime. Ben oui, la victime n'est plus là pour parler. Donc, on va raconter absolument tout et n'importe quoi pour atténuer. Hein? Atténuer ce qu'a fait la police pour dire, attention, celui qu'on a tué, c'était pas un bon citoyen. Celui qu'on a tué, c'était pas un humain comme les autres. C'était un humain perturbateur, récidiviste. Donc ils sont en train de nous expliquer que la peine de mort existe toujours en France. Puisque si on arrive à donner des justifications à un acte qui ôte la vie à un mineur, c'est que vous lui donnez raison quelque part. Là, on a pu observer à quel point les médias étaient forts et rapides pour raconter leurs mensonges sur l'enfant, sur la famille, sur tout le monde. Personne dans les médias connus est venu donner la parole à la famille. Personne a fait son enquête comme il le fallait. Il a fallu qu'il y ait son avocat. Hein, qui aille répondre aux questions des journaleux et qui le remette tous en place. Parce qu'il commence à nous demander, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé 5 minutes avant? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Pourquoi? Voilà. Voilà ce qui se passe quand vous donnez des armes à des humains. Quand vous donnez des armes à des humains, les humains, ils pètent un plomb. Mais bien sûr, tu penses qu'on est des robots? Donner une arme à un homme, vous pensez qu'il va garder son sang-froid? Une arme qui peut ôter la vie à distance, il va se sentir puissant, il va se sentir au-dessus des lois, il va commencer à faire le cow-boy, à marcher avec des lunettes de soleil, tout en mettant son bras comme ça quand il regardait mal, parlait mal. Voilà comment la police se comporte. Bien sûr, là, ils nous avaient laissés tranquilles un petit peu en banlieue parce qu'il y avait les manifestations. Depuis que les manifestations se sont calmées, ça y est, on les revoit de partout et ils commencent à nous fracasser. Donc là, le pays commence à s'embraser, hein. Bien sûr, comme c'est normal. Oui, faut qu'il y ait une réponse. Puisque le petit s'est fait tuer. Naël, derrière, on raconte des mensonges sur lui et on donne la parole à personne dans son entourage. Pas d'hommage, que des enquêtes. Ouais, mais il a fait quoi? Ouais, mais il vient d'où? Ah! Et après, on nous parle d'intégration, de délinquance, de je ne sais quoi, de regardez, ils ne veulent pas être comme nous. Et voilà, encore une fois, la police qui commet un meurtre. Encore une fois. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Et ça commence à devenir de plus en plus récurrent. Ouais.